politique. Moi, il y a des personnes, de rencontrer des personnes comme toi. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais on se respecte. Ce qui me donne de l'énergie, c'est les gens. Et je dois dire que je suis vraiment comblée avec la politique parce que ça me fait rencontrer plein de gens. C'est toujours extraordinaire. C'est mon fuel, c'est mon essence. C'est les gens. Alors, qui es-tu ? Je suis une femme engagée, je suis une femme passionnée. Voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Tu fais peur ? Oui, alors ça j'ai compris, merci. Ça j'ai bien compris. Mais j'assume parce que je ne peux pas être quelqu'un d'autre que qui je suis. Alors, ta définition du sourire pour toi, c'est quoi ? Le sourire, c'est un partage qu'on fait avec les gens. C'est-à-dire quand on donne l'envie aux gens de venir vers soi. Je te souris, je t'invite à venir partager un moment avec moi, que ce soit un autre sourire, que ce soit un bonjour, que ce soit un moment d'échange. Je pense que de sourire à quelqu'un, c'est fondamental et ça coûte pas cher. Moi, je suis vraiment quelqu'un comblé. Je souris tous les jours. Donc le vrai bonheur, c'est quoi ? Le vrai bonheur, c'est la simplicité des choses, c'est les gens. Ça peut être un petit moment partagé ici entre nous, ça peut être un téléphone avec l'Afrique, ça peut être une nouvelle que je vois en disant « Ah, chouette, ça me rend heureuse ». Je crois qu'il faut se dire que tous les jours, il y a des petits bonheurs qui nous entourent. Donc ici, tu as ces fameuses cartes souris. Mm-hmm. Alors bon, il y en a deux qui me tout de suite m'ont assez vite flashé. D'abord, c'est un zeste de respect, une pincée de sourire, la meilleure recette. Le respect, qui, voilà, un petit sourire, respecte les gens, je trouve ça très important. Puis quand il y en a marre, souris. Moi, j'ai vécu des moments professionnels pas toujours faciles. Je ne vais pas nommer qui c'est parce que ce n'est pas très important. Mais la personne finissait par m'enlever mon sourire. Et un jour, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Je suis quelqu'un de souriant. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui va m'enlever mon sourire. Et j'ai commencé à sourire. Il arrivait vers moi, toujours un peu l'air renfrogné, comme ça. Je dis, bonjour, comment ça va ? Je souriais. Il était obligé de sourire. Et à la fin, il a dit, voilà, c'est le soleil quand j'ai quitté. Vraiment, j'étais à la fin de mon mandat, il m'a dit, voilà, c'est le soleil qui s'en va, quoi. Il a dit à tout le monde, c'est le soleil qui s'en va. Moi, aujourd'hui, la vie est belle. Franchement, la vie est belle. Il faut vraiment se battre dans le bon sens, parce que tout d'un coup, il nous arrive vraiment un problème. Et on se dit, mais zut, j'en ai pas profité quand tout allait bien. Moi, je suis heureuse parce que mes parents vont bien, mes proches vont bien, je suis en bonne santé, ça va bien. Je suis heureuse de tout ce qui m'arrive, il faut être conscient de ça, il faut le vivre aujourd'hui, il faut vivre l'instant présent. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui vivent des choses difficiles, dans un moment donné de leur vie, il faut toujours garder l'espoir. Il faut qu'ils trouvent un moyen de garder le fil d'Ariane qui les relie à la vie et qui les relie à quelque chose de positif. Moi, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. J'ai vraiment des fois aussi longé comme ça la falaise. Et c'est des expériences de vie qui leur permettront d'aller encore plus loin plus tard. Il faut qu'ils patientent, il faut qu'ils croient en eux, et un jour, ils comprendront pourquoi ils ont vécu ces moments-là. Et vraiment, la vie, en général, nous réserve des belles surprises. Il faut se donner, il faut tendre la main aux gens, il faut ouvrir les yeux autour de soi. Il y a des gens autour de nous qui sont prêts à nous aider, qui sont prêts à nous soutenir, il faut les voir. Et ça, après, avec ça, déplace le cerveau.